Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, donc une vidéo qui va vous parler du mode studio qui va apparaître sur Fortnite. Donc voilà, c'est sûr, hein, même s'il n'a pas été réellement officialisé, c'est sûr qu'il va sortir parce que Fortnite FR, donc la chaîne de Fortnite France sur YouTube, a dit que le mode studio allait apparaître pour normalement l'E3 de Chicago qui se passera le mois prochain. Donc voilà, normalement on devrait avoir le mode studio qui va apparaître d'ici le mois prochain. Donc faut savoir aussi que même dans les codes sources du jeu, ils ont découvert un mode replay que je vous mets à l'image, plus plein de petits trucs, cam options, tous des trucs pour le mode studio. Et juste en dessous, ils nous ont mis aussi tout un panel de play, de modifications pour justement le mode replay. Donc voilà, c'est sûr, c'est pas dans les codes sources du jeu pour rien du tout. Moi je vous dis, c'est officiel, ça va bientôt arriver. Donc maintenant, pour officialiser vraiment tout ça, je vais vous montrer carrément des vidéos que j'ai su récupérer sur plusieurs sites internet où justement il y a eu déjà des démonstrations de mode studio. Donc c'est sûr et certain, ça va sortir. Donc là, regardez, déjà il y a un gameplay cam, il y a des ralentis, il y a des focus, que ça je vais vous montrer plus en détail après. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs options. On peut même carrément tourner autour d'un joueur, donc il y aura la caméra libre. Donc voilà, ça c'est déjà pour la première petite vidéo que j'ai trouvée. Donc là, je vais vous montrer un gameplay de grosses personnalités qui ont déjà testé le mode replay. Donc là, on peut voir qu'il y a deux teams qui s'attaquent, c'est 2 contre 2. Et on peut voir là, justement, ils zooment sur Alia. Donc Alia qui est un gros youtubeur américain. Et on peut voir que lui, il est en rouge. Voilà, lui là en rouge, bon, on voit pas trop, mais c'est quand il passe à travers un mur, on le voit en rouge. Regardez, là, on le voit mieux, on le voit en rouge. Les alliés sont en bleu, donc on peut voir que c'est déjà une caméra libre. Il peut aussi se focus sur une personne ou sur une autre. Après, il peut changer d'équipe comme il vient de faire, là, maintenant. Donc là, ah non, il a changé juste de plan de vue, c'est tout. Parce que Alia, il est toujours en rouge. Alors voilà. Donc là, il change de caméra, là, il s'est mis sur Alia, je pense. Parce qu'on dirait que c'est focus sur Alia. Alia, il tue les deux personnes, voilà, il les a niquées toutes les deux. Et voilà, le gameplay est terminé et il recommence à zéro. Donc ça, c'est déjà une bonne preuve que ça va exister. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails avec une autre vidéo que je vais vous montrer. Donc voilà, là, c'était Alia qu'on a vu au tout début de vidéo. On a vu avec sa casquette, c'était Alia. Là, on peut voir que c'est aussi Alia, le joueur, avec le personnage, le skin qu'il avait. Donc regardez ce qu'ils vont faire là. Ils vont carrément faire un zoom, voilà, ils zooment, et regardez, juste après, ils vont carrément faire un focus, en fait. Ils vont faire un focus sur le personnage et rendre l'arrière-plan un plus flou autant qu'ils le veulent. Ou alors, ils peuvent faire l'inverse, rendre le personnage flou et l'arrière-plan plus net. Donc franchement, c'est vraiment stylé. Donc pour tous ceux qui sont fans de mode studio et tout ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et pour les joueurs compétitifs, vous allez pouvoir analyser vos gameplays, voir vos erreurs, voir où est-ce que vous avez géré, où est-ce que vous avez foiré, etc. Et vous pourrez faire des spray screens, des putains de photos. Franchement, je pense qu'il est vraiment assez ouf ce mode studio qui va arriver. Donc là, on peut voir Alia qui en parle, qui en présente. Donc voilà, franchement, je pense que c'est vraiment un truc de ouf. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense que franchement ça sortira avant la fin du mois prochain. Après je sais pas s'ils seront le mettre réellement. C'est juste que Fortnite France a dit qu'ils allaient essayer de le mettre pour l'E3 de Chicago qui se passera le mois prochain. Donc voilà. Alors pas de date précise, hein, c'est pas officialisé non plus. Mais je pense qu'il va pas tarder à arriver. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo information news sur Fortnite Battle Royale vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, 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 yummy